Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons toujours vous prier et vous demander de rester très courtois dans vos commentaires. Grief. Le parquet fait appel de la décision qui a libéré Damaro Camara. Comme on pouvait le prévoir, le parquet de la Cour des répressions des infractions économiques et financières a fait appel ce mardi de la décision du juge Francis Kova Zoumaningi, qui a ordonné lundi une liberté provisoire pour l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Camara. Avec cet appel, Damaro pourrait retourner en prison, mais devrait quand même rester en liberté le temps que la juridiction supérieure se prononce sur l'appel du parquet. Puisqu'en l'espace de cet appel n'a pas d'effet suspensif. Lundi 9 octobre, Amadou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale en prison depuis avril 2022, pour des faits présumés de détournement de deniers publics, a bénéficié d'une liberté provisoire au terme de sa première comparution devant la Cour des répressions des infractions économiques et financières. Eh bien les amis, c'est donc ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez toujours abonnés et scotchés à votre chaîne préférée de l'information Réveil d'Afrique. Partagez toujours avec vos amis, amis, familles, reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt donc pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous toujours très très bien.